fait. On nous fait part, pardon. Oui, alors il est là. Mumuza Muindo, chef de mission pour Médecins sans frontières en Haïti. Bon après-midi, monsieur Mumuza Muindo, comment ça va? Bon après-midi. Bon, alors vous avez dû consentir, convenir qu'il valait mieux fermer Médecins sans frontières à Port-au-Prince, dans Cité Soleil. C'est ça, et tout ça, c'est à cause de l'insécurité, n'est-ce pas? Justement, parce que depuis une semaine, il y a de violents combats qui ont repris au niveau des Cités Soleil. C'est un quartier dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, où des groupes armés s'affrontent et la situation est chaotique parce que les combats durent et les malades ne peuvent plus accéder au milieu hospitalier. Et dernièrement, la ligne de front s'est retrouvée tout autour de l'hôpital et il était difficile pour nous de travailler dans des conditions où l'hôpital se retrouve comme au niveau du champ de bataille. Vous êtes pris entre deux feux et il s'agit naturellement de groupes armés qui se battent pour le contrôle de Cité Soleil. Ça, vous en êtes habitué, n'est-ce pas? Mais on n'est jamais vraiment protégé, surtout qu'il s'agit vraiment d'une bataille vraiment, on dirait, ultime, où les forces en présence jettent toutes leurs forces dans la bataille, c'est ça? Justement, parce que l'hôpital se retrouvait entre les champs de bataille et les coups de balles, les projectiles tombent par-ci par-là dans l'enceinte de l'hôpital. Et du coup, on trouvait que les personnels, les malades ainsi que les accompagnants n'étaient plus en sécurité. Plusieurs balles perdues qu'on a retrouvées au niveau de l'hôpital et il fallait vraiment se retirer et fermer temporairement l'hôpital. Et vous, là où vous me parlez présentement, vous êtes chez vous et en sécurité, n'est-ce pas? Et disons que toute la capitale, Port-au-Prince, n'est pas en sécurité parce que par-ci par-là, c'est des violences entre les groupes armés, des cas de kidnapping et l'insécurité est grandissante dans plusieurs quartiers de la capitale. On a déjà deux navires canadiens dans les eaux haïtiennes qui sillonnent la capitale, en tout cas la mer de Port-au-Prince. Est-ce que vous avez l'impression que ça va nous aider à sécuriser un peu Port-au-Prince, Haïti de manière générale, à un moment donné? Quand je discute avec la population haïtienne, il y a un désespoir. Les gens ne comprennent plus où va l'avenir de ce pays parce que la situation va de mal à pire chaque jour. Beaucoup de nos personnels ont abandonné leur maison. Aujourd'hui, ils habitent chez les voisins ou chez les autres. Et même les déplacements qu'on fait aujourd'hui, on ne sait pas comment va devenir la situation de demain dans les quartiers où on a fait refuge. Donc, bref, c'est un désespoir total pour la population haïtienne. Un désespoir, et puis d'autant que dans des circonstances comme ça, il va y avoir certainement des personnes blessées par balle qui voudront avoir l'aide de nos hôpitaux. Déjà que l'hôpital de l'Université d'État n'était pas à son meilleur, n'est-ce pas? Et maintenant, dans l'aire métropolitaine, c'est votre hôpital qui ferme sa porte. Probablement d'autres vont fermer si ce n'est déjà fait. Donc, c'est le chaos le plus total pour Port-au-Prince. Signalons que c'est une zone où il y a rarement des structures qui fonctionnent encore au niveau des Cités Soleil. Et là, nous espérons qu'il y aura une solution rapide parce que c'est beaucoup de personnes qui vont faire, qui auront des difficultés à accéder aux soins de santé primaire et secondaire. Il y a pas mal de blessés, malheureusement, la population première victime parce qu'on sauve pas mal de vies parce que c'est des civils qui prennent les balles perdues. Et alors qu'ils sont terrés dans leur maison.
Et le besoin est vraiment grandissant dans cette capitale. Vous êtes d'origine étrangère. Qu'est-ce qui vous maintient en Haïti? Vous auriez pu décider de lever le camp et de vous en aller. Qu'est-ce qui vous retient en Haïti dans les circonstances? Quand je reçois des gens qui ont besoin de soins et quand ils quittent le milieu hospitalier avec un sourire, ça me donne le courage et je me dis, je dois aller de l'avant. Et c'est ça la force de Médecins sans frontières. Médecins sans frontières est établi à travers le monde. Médecins sans frontières est présent sur des théâtres de guerre à travers le monde, je dirais. Est-ce que le cas d'Haïti est particulier? Je pense que c'est une situation particulière en Haïti parce que c'est une guerre qui dure depuis des années et on voit que la situation devient de plus en plus chaotique, sans espoir et avec tous les problèmes à tous les niveaux et surtout que la sécurité règne dans tous les quartiers de Port-au-Prince. Contrairement à d'autres pays où la capitale souvent est protégé et on voit de plus en plus de problèmes en province. Ici, c'est un cas particulier où c'est la capitale même qui est en difficulté totale. Pendant longtemps, Monsieur Mouindo, on a parlé de la somalisation d'Haïti. On a vu venir et on a parlé de la somalisation d'Haïti. Est-ce qu'on serait rendu là ou est-ce que la Somalie peut lever le nez sur Haïti en disant Haïti, c'est un cas vraiment extrême par rapport à ce qui se passe en Somalie? Je ne suis pas expert en situation de Somalie, mais je pense que il y a une crise généralisée à tout niveau et les conditions de vie difficiles, les sécurités, les cas de kidnapping, les cas de tuerie par-ci par-là. Et je pense que c'est une situation d'extrême urgence. Maintenant, Médecins sans frontières doit décider de la réouverture de l'hôpital ou pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va comment diriger la décision qui va être prise dans les prochains jours d'ouvrir ou de ne pas ouvrir l'hôpital? Est-ce qu'on parle de la présence d'étrangers éventuels ou alors est-ce que vous espérez que pour ce qui reste encore des autorités, il va y avoir quelqu'un qui va prendre une décision pour amener une certaine accalmie dans le pays. Signalons qu'on est encore présent au niveau de Port-au-Prince dans plusieurs autres structures sanitaires, mais le cas de Cité Soleil, la fermeture reste temporaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combat autour de l'hôpital. Et une fois la calmie revient, on va réouvrir et on se rassurera qu'il n'y a plus de projectiles ou de combats à proximité de l'hôpital. Monsieur Mouindo, on peut toujours se faire kidnapper à tout moment, soit en sortant de l'hôpital, soit en y allant. Comment vous vous protégez pour éviter de vous faire kidnapper? Parce qu'on entend surtout des médecins qui se font kidnapper, hein? On essaie de mettre des mesures de sécurité strictes, c'est-à-dire, par exemple, ne pas se promener la nuit. Et par contre, on demande aussi à tout le monde de respecter notre mission qui est de soigner tout le monde. Et je pense que le fait que tout le monde voit l'intérêt de ce que nous faisons, c'est ça aussi notre force. Mais disons que ce n'est pas une situation facile. Et tout temps, on est au chevet des malades dans nos hôpitaux. Et tant qu'on sera en sécurité dans nos hôpitaux et qu'on peut continuer à soigner les malades, on restera en Haïti, on restera auprès de la population haïtienne qui a besoin de nous. En espérant que les choses changent bientôt, n'est-ce pas? Il faut vraiment espérer, parce que sinon la situation est dramatique. Avez-vous l'impression, pour terminer, Monsieur Mouindo, que nous, Haïtiens de la diaspora, pouvons faire quelque chose pour aider notre pays d'origine? Je pense qu'il faut un renforcement moral pour la population qui vit le chaos, les difficultés,
et continuer les plaidoyers pour que ceux qui ont les compétences nécessaires pour aider ces pays puissent aider et ne pas tourner le dos au peuple haïtien. Mumuza Muhindo, chef de mission pour Médecins sans frontières en Haïti, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Puis je vous dis encore une fois au nom de tous les Haïtiens, merci pour le travail que vous faites. Et puis en vous souhaitant naturellement bonne chance que l'hôpital de Cité Soleil de Médecins sans frontières puisse rouvrir ses portes très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.